à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon, non, Dan Solo. Aujourd'hui, une grosse boîte, un gros jeu, Last Night Honor, de Zombie Game. Oui, un autre jeu de zombies. Mais c'est pas un jeu récent. C'est un jeu qui date depuis 2007, qu'ils ont décidé de faire le 10e anniversaire, une édition 10e anniversaire. Car la boîte originale est plus petite. Et là, ils ont décidé de faire une grosse boîte. Ils ont amélioré le matériel. Et en plus, ils ont fait de l'espace dans la boîte pour inclure toutes les extensions qui existent pour ce jeu. Donc, je vais découvrir ça avec vous. J'ai joué une seule partie avec mon ami Maurice Lapierre, de la chaîne Maurice Lapierre. Et puis, il m'a fait découvrir ce jeu. J'aimais ça. Ce n'est pas un jeu solo qui peut être de 2 à 6 joueurs. C'est un pour 14 ans et plus. Et c'est des parties de... Je vais tourner la boîte pour montrer l'arrière quand même. Je vois, je vais la tourner comme ça pour ne pas accrocher la caméra. Alors, c'est des parties de 60 à 90 minutes. Je voudrais préciser une chose, une petite chose ici. Vu que c'est un 10e anniversaire, ils ont produit seulement 6 000 copies. Et moi, j'ai la copie 1874. Donc, il en reste. Il en reste. Ça va être si ça vous intéresse. Et là, vous allez me dire, ouais, mais dans le solo. T'aimes les jeux solo, c'est vrai. Ben, en quelque sorte, je ne jouerai pas solo, mais presque, parce que Maurice Lapierre, qui a aussi le jeu 10e anniversaire, j'ai l'autre de mes amis, qui lui, c'est Maurice Maillet, de la chaîne des jeux de dés. Lui aussi a le jeu, et on va faire. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne ou la chaîne de Maurice Lapierre, ce qu'il appelle du hangout, c'est-à-dire que nous trois, on possède le jeu et par webcam, on peut jouer comme si nous étions tous ensemble. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir jouer avec mes deux petits amis. La chose que je voulais dire aussi, c'est un jeu uniquement en anglais. Mais, vous savez, mon meilleur ami, c'est Borgen Game. Les règles sont en français. Les cartes sont traduites aussi en français. À peu près tout est traduit en français. Donc, vous n'aurez aucun problème de jouer si vous ne connaissez pas la langue de Shakespeare. On va maintenant ouvrir ça et découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, je rappelle que c'est un jeu de Jason C. Hill, produit par Flying Frog Productions. Tu sais, je vais couper la caméra 2 secondes, ouvrir ça, et je reviens. Bon, ben voilà. Vous ne me croyez pas, hein? Vous, ça a pris 2 secondes avant de voir venir. Moi, ça a pris au moins 5 minutes pour enlever le couvercle. Elle était vraiment prise par la suction. Oh, attends, c'est ça, de côté. Voilà. Donc ici, on commence avec un petit livret de publicité de Flying Prog. Ils annoncent leur... C'est eux qui ont fait Fortune of Glory, un autre jeu très populaire.
Shadow of Dragonstone aussi. C'est un jeu que j'aurais beaucoup aimé avoir. C'est un jeu qui peut jouer en solo. Sauf qu'il n'existe aucune traduction française des règles qui dit des cartes. Bon, c'est publicité à ce côté. Le très gros livre de règles, je vais tasser la boîte comme ceci. C'est quand même un livre de règles, très gros carton, beau papier classé. Bien expliqué, bien imagé. Écrit très gros. Je vais aller un petit peu plus vite parce que énormément de pages. Et quand je dis énorme, là, pourtant, c'est pas un jeu que j'y ai joué une fois, j'ai pas trouvé ça très compliqué. 66 pages. OK. T'es pas de porte. G2, pas de porte. Ça, c'est pour calculer le nombre de tours. Parce que ça marche par scénario. Ça marche, c'est quelqu'un contrôle les zombies. Et les joueurs, si, je donne un exemple, si vous êtes deux joueurs, un contrôle les zombies et l'autre joueur contrôle les quatre héros. Dans tous les scénarios, il faut que les quatre héros jouent. Donc, si vous êtes deux joueurs, il y a un joueur qui contrôle les zombies, l'autre les quatre héros. Si vous êtes trois, il y a une personne qui contrôle les zombies, les deux autres joueurs vont contrôler chacun deux héros, et ainsi de suite. Donc, pas ainsi de suite, parce que si vous êtes quatre, ben, c'est deux personnes qui vont contrôler les zombies et deux personnes qui vont contrôler les deux héros chacun. Et jusqu'à 4. 4, ben, c'est un qui contrôle les zombies. Et les trois. Là, c'est la même chose. C'est ça, 4. Un qui contrôle. Donc, ça va jusqu'à 5 joueurs. Si je m'abuse. Donc, jusqu'à 6 joueurs. Donc, c'est deux qui contrôlent les zombies. Deux qui contrôlent les héros. Deux chacun. À 5, ben, c'est pas compliqué. C'est un qui contrôle les zombies, les quatre autres joueurs qui contrôlent un héros chacun. Et à 6 joueurs, il y en a deux qui contrôlent les zombies et les quatre autres qui contrôlent chacun un héros. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Puis les scénarios, c'est le nombre de tours qu'on a pour exécuter, d'où la mission. Et les zombies, si on arrive à zéro, on perd les héros par la partie, et il y a une autre conséquence, il y a une autre façon que le zombie peut aussi gagner selon le scénario. Donc, en passant, ces jetons là, sont superbes, sont comme glacés. T'as fini carton glacé, très bien fait, bonne qualité. Très bonne qualité. Donc, je peux pas tout vous dire les jetons à quoi ils servent. J'ai joué qu'une partie et on n'a pas tout utilisé les jetons qu'il y a ici. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais continuer. Je vais laisser la boîte un peu de côté, comme ça. Ça ici, c'est la tuile centrale du jeu. Il y a deux côtés. Par la suite, vous avez quatre tuiles
Un, deux, trois, de cinq. Cinq tuiles que vous mettez autour du la tuile centrale. Et là, ça va vous faire un grand plateau. Et, ah, ça, c'est pas les deux côtés. Un seul côté. Voilà, c'est comme ça qu'on forme le plateau de jeu. Ici, je crois que ce sont les scénarios. Et ce qui est bien fait, ce sont des scénarios qui sont sur des cartons, donc très solides. Un, deux, trois, cinq scénarios. Et c'est marqué ici en haut, 14 tours. L'objectif du scénario. Celui que nous, on a fait, c'est celui-là ici. 15 tours. Les héros doivent cumuler 15, tuer 15 zombies. Et le zombie, faut qu'il essaie de tenir les 15 tours pour gagner la partie. Ou tuer deux héros sur les quatre. Et là, à ce moment-là, les zombies gagnent la partie. Alors ça, c'est les scénarios. Ici, il y a un petit paquet de cartes. Je vais... Ah, c'est les aides de jeu. On va ouvrir ça tantôt. Ah, il y a un autre scénario aussi. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 scénarios. Ici. Des troupes. Voilà. Ce sont les héros. Ici, on a un prêtre, une infirmière, sa vie. Si c'est les points de vie que la personne a, qu'il y en a qui ont trois, il y en a qui ont deux. Elle aussi, chaque héros a des capacités. Billy. Jenny, Gary, le Doc Brody, Député Taylor, Monsieur Hyde, Jeb, Jake Cartwright et le shérif Anderson. Alors, il y en a quand même beaucoup. Puis encore là, carton, ce n'est pas un simple petit carton base comme on voit souvent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Des cartes, beaucoup de cartes, encore des cartes ici, il y en a d'autres ici, je vais ouvrir tout ça tantôt. Je suis obligé de me lever parce que la boîte est profonde, je vais sortir d'ici, ça ici, ah oui, pour l'espèce, un CD de musique pour l'ambiance. Alors, je sais pas si on va s'en servir, mais c'est fourni. C'est quand même une belle pensée. Je vais présenter mieux. Là-bas, vous voyez, très beau grand rangement qui peut inclure toutes les extensions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai dit les cartes, on va ouvrir tantôt. Ça, c'est ça un peu. Alors, si on est des zombies, sont très, très basiques, là, très petits. C'est joli. Il y en a des bruns et des verts. Je me souviens pas pourquoi. Donc, ils sont tous faits. Pareil. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais sur le plateau, il n'est pas censé qu'il y a une limite à atteindre sur le plateau pour le nombre de zombies. Alors, c'est pour ça. Ce côté, des dés. Deux couleurs de dés. Il y a
6 des noirs, 6 des rouges. Il est très joli dé, translucide et arrondi, comme que j'aime, parce que ça roule bien. Donc, c'est les dés. Ici, c'est, ça représente, je crois, du feu. Des plans. J'imagine que certains scénarios, que soit que nous on met le feu ou les zombies mettent le feu, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un beau petit camion. J'imagine que durant un scénario, on peut s'évader. Peut-être une émission pour s'évader avec le camion. Très bien fait. Ça doit être assez cool à peinturer. Très solide. C'est très gros plastique. Et ici, sur l'or, les héros sont très beaux. Sont bien faits, bien détaillés. Elle a une tronçonneuse. Lui, il a une torche. Alors, j'imagine que c'est lui qui met le feu. Ah, on a un petit chien ici. Ensuite, on a ça ici. Dans la boîte de base ordinaire, et non pas le tiers anniversaire, je ne sais pas si quelle était la qualité des pièces, mais je sais que ça ici, c'est en carton. On a des petits bidons d'essence. OK. Ça ici, c'est les blessures qu'on met à nos héros. Et ça, c'est en carton. Donc ici, on a en plastique. Les petits, ici, ça représente l'endroit où ce que les zombies apparaissent sur le plateau. Parce que le joueur, la personne qui s'occupe de faire les zombies peut, avec ses cartes, faire apparaître d'autres places pour faire apparaître des zombies. Donc, très important d'avoir ces petits marqueurs-là. Je vais serrer le tout. Je vais ouvrir les cartes. Et je reviens. Ben voilà le retour. Alors j'ai tout développé ça. Et on va commencer ici. Ce sont quatre cartes pour le tour des joueurs. Ici, le tour des zombies. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? C'est recto verso. D'un côté, c'est zombies. De l'autre côté, c'est joueurs. Donc, il y a quatre comme ça. Ensuite, on a ces deux cartes-là. Qui, selon moi, c'est. Ça explique à quoi sert ici le jeton de bidon d'essence. Ici, c'est les marqueurs affectés. C'est les jetons qu'il y a dans le jeu. De l'autre côté, c'est les deux paquets de cartes qu'il y a ici. C'est des cartes de upgrade pour upgrader son zombie ici, son joueur. Puis ici, c'est une carte qui explique les marqueurs de feu. Ensuite de ça, comme je viens d'expliquer ici, c'est des cartes pour d'amélioration pour les joueurs, pour le héros qui peut être amélioré. C'est le problème, il faut absolument devez sliver les cartes parce que c'est un genre de plastique. Vous savez, les fameuses cartes à jouer qui se vendaient à un moment donné, c'était plus des cartes de carton. C'était des cartes de plastique, puis il connaît tout le temps. Ben, c'est dans le même principe. C'est des bonnes cartes. Très, très bonne qualité. C'est du plastique. Ça s'use pas. Le problème, c'est que ça colle ensemble. Donc, il faut absolument les sliver.
Donc, ça, c'est les cartes upgrade. Ici, on a deux decks. Un deck pour les héros, un deck pour les zombies. C'est avec ça que les joueurs et les zombies vont faire à part leur action, ils peuvent jouer des cartes qui plus ou moins vont nous faire des mauvais coups et que nous, on va pouvoir faire des mauvais coups aux zombies. Donc, c'est pour ça que ça prend minimum deux joueurs pour y jouer. En passant, c'est des photos réelles qui sont prises avec des vraies personnes. Encore là, je peux la discuter souris. Très belle carte, très bien faite, madame. Mais c'est difficile de montrer, ils sont toutes collées ensemble. Donc, ça, c'est les zombies. Ici, les cartes des joueurs. Les cartes des joueurs, on a des armes. Il y a certaines actions qu'on peut faire. C'est surtout pour faire lorsqu'on fait des fouilles dans les pièces, on pige des cartes. Une carte lorsqu'on fait une fouille. C'est surtout pour essayer de trouver des armes. Parce que nos héros commencent avec aucune arme. Voilà. Alors, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et peut-être que vous verrez ben non, pas peut-être. Sûrement. Vous allez voir une partie à Hangout. Avec moi, Maurice Lapierre et Maurice Bayet. Vous devrez voir ça sur la chaîne de Maurice Lapierre très prochainement. Alors, surveillez ça. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.